Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing en diamond painting. Voilà, alors aujourd'hui on va en partenariat avec la boutique Victoria Moon. Ils m'ont proposé de faire un kit. Ils ont une nouvelle rubrique maintenant sur leur boutique. Donc ils m'ont demandé si je voulais essayer de faire un kit de cette nouvelle rubrique. Bon, moi je connais déjà la technique hein, puisque c'est avec des diamants brillants hein, avec des perles de formes différentes. Voilà, donc moi j'ai accepté bien sûr. Et hop, voilà, il y a une petite poussière. Et donc j'ai choisi donc un kit qui mesure 40 sur 50 cm. Voilà. Je vous mettrai en barre d'infos, comme d'habitude, le lien de la boutique, le lien du kit. Et il y a également un code promo pour bénéficier de 10% sur votre commande si vous allez sur le site. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout ça en détail, voilà. Et puis, dans la semaine, je commencerai peut-être le kit en même temps que, vous voyez, là maintenant, il est pendu au mur, le kit que je fais actuellement. Donc, je ferai entre deux, certainement, je verrai. Donc, je vous montre d'abord le kit que j'ai choisi, puisque j'avais le droit de choisir celui que je voulais. Donc voilà, un joli pan encadré. Allez. Donc, il est, je vous dis, c'est une belle taille, hein, il fait 40 sur 50. Il a exactement 16 couleurs. Et je vais vous montrer, donc, voilà. Voilà. Oups, là. Alors, par contre, je crois qu'il y a un petit souci. Alors, je vais voir ça, je vais ouvrir. Il y a un petit souci. Ils ont oublié de me mettre le stylet avec le petit plateau. Mauvais point. Voilà. Donc ça, ils ont oublié de me le mettre. Donc là, bon, moi, ça va, j'en fais régulièrement. Donc j'ai du matériel d'avance, mais bon, si c'est quelqu'un que c'est la première fois qu'il achète le kit et puis qu'ils oublient de mettre le stylet, ça va poser problème. Bon, un petit mauvais point. Alors, je vais vous montrer les perles. Alors là, ce sont plus des diamants que des perles, puisque on a un premier chapelet. Voilà, donc là ce sont des blanches, enfin des couleurs diamants. Là elles sont vertes, là elles sont vert foncé, bleu, rose orangé, là ce sont des jaunes, là ce sont des bleus foncés. Et là, ce sont des bleus un peu plus clairs. Voilà. Ensuite, j'ai des demi-perles comme ceci, couleur turquoise. Ici, des jaunes. Donc, elles sont un peu plus grosses, hein, celles-là, que celles dans le chapelet. Ici, alors, elles sont... vert pâle, voilà. Ensuite,
J'ai des demi-perles. Alors là, ce sont les bleus oléographiques. Donc là, ce sont vraiment les demi-perles. Des demi-perles, mais blanches. Et ici, donc les gouttes d'eau qui vont faire le bout des plumes. Donc les très grosses. Comme ceci. Des moyennes. Voilà, comme cela. Et un peu plus petites. Comme ceci. Voilà. Bon. À part qu'il me manque le petit kit pour travailler. Sinon, bon, ça, niveau des perles, ça va. Alors, là, vous voyez, bon, de toute façon, ces kits-là, souvent, sont recouverts d'une pochette, d'une feuille plastique transparente, comme ça. Alors là, maintenant, pour ne plus avoir le tour de l'autre jour, j'ai une amie, Sylvie, de la chaîne de Sylvie Poulain, qui est aussi la personne chez qui j'achète beaucoup de tissus pour le cartonnage, hein, qui a la boutique Pick & Patch, m'a donné un bon truc. Parce que l'autre jour, je vous ai dit, moi, l'autre jour, mon tableau avait une feuille comme ça, et arrivé à la fin, vous savez, la femme tigre, je n'arrivais plus à décoller le papier. Et comme elle m'a dit, il doit y avoir une face. Une face pile, une face face. Donc elle, ce qu'elle fait quand il y a un papier comme ça, pour être sûre, parce que ça lui est déjà arrivé aussi avant, pour être sûre qu'elle recolle le papier dans le bon sens, elle met un post-it, un petit sticker ou un petit post-it sur cette face-là, hein, la face ici. Pas sur la face autocollante, hein, qui va sur le collant, je veux dire. Vraiment sur la face là. Et comme ça, elle sait que ce côté-là, bah, c'est celui qu'il ne faut pas coller sur le kit. Voilà. Donc, je vais suivre son conseil. Pour ne pas avoir une deuxième fois le tour. Donc, sinon... Bon, bah, ces kits-là sont très rarement des rivières. Hein. Et là, la colle va très bien. Ça va, ça colle. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc c'est bien. Tout va bien, sauf bah, qu'ils ont oublié le petit kit pour travailler sur le tableau. Donc ça, c'est rien. Je vais leur envoyer un petit message. Peut-être qu'elle me l'enverra. Hein. Mais bon, je vous dis, moi, pour ma part, c'est pas vraiment très très embêtant pour moi, puisque j'en ai plein d'avance. Mais ce sera embêtant si c'est une personne qui achète le kit pour la première fois et puis à qui ça arriverait. Voilà. Qu'ils oublieraient de mettre le petit kit de démarrage. Quand je parle du kit de démarrage, je parle de ça. Alors, attendez. Voilà. Hop. Pacha, t'arrêtes de manger la couverture ? Voilà. Ça, c'est celui du kit du concours. Voilà, c'est ce truc-là que je vous parle. Voilà, c'est ça qui manque, qu'ils ont oublié de mettre dans le kit. Donc, bon, ça, c'est rien. Je vais leur envoyer un message, je vais leur dire. Mais bon, c'est embêtant, je vous dis encore une fois, si c'est le premier kit de la personne et qu'elle n'a pas... de matériel d'avance pour faire un diamond painting. Voilà. Bon, c'est peut-être juste une erreur de leur part. Parce que bon, moi, le kit, là, il me l'avait mis dans le même carton que le kit du concours. Certainement pour ne faire qu'un seul emballage. Donc peut-être qu'ils ont zappé, je ne sais pas. Bon, enfin, je vais leur demander. Et puis on verra bien. Je vous tiendrai au courant de ce qu'ils vont me dire. Donc voilà, bon, en fin de compte, j'aime bien. Il est joli. On verra ce que ça donne quand il sera fini. Voilà. Alors du coup, là, avec l'encadrement autour,
Je pense qu'il faudra que je, quand je ferai pour l'encadrer, pardon, je suis fatiguée. Il faudra que j'achète un cadre, mais assez fin, puisque là, il y a déjà un cadre autour de dessiner. Mais bon, c'est pas, on n'en est pas encore là. De toute façon, là, les kits à encadrer, ils commencent à accumuler. Il va falloir qu'on commence à aller en chercher. Voilà. Bon, bah, c'était ma vidéo d'aujourd'hui, hein, la unboxing pour le kit du pan en diamants spéciaux. Voilà, c'est ça le mot que j'ai cherché tout à l'heure, les diamants spéciaux. Donc, de la boutique Victoria Moon. Donc, comme d'habitude, je vous rappelle, je vous remets le lien de la boutique, le lien du kit et le code promo pour bénéficier de 10% sur votre commande si vous souhaitez. Oh, ah non, hein, fais pas ça. Excusez-moi. C'est parce que j'ai pas chat qui me fait des bêtises. Alors, il m'a fait un petit trou dans mon fauteuil, là. Vous voyez, mon fauteuil, là, en cuir. Et donc, ben, on l'a rafistolé, comme on dit dans le Nord, comme on pouvait. Donc, j'ai remis de la ouate dedans. Puis, on a mis du gros scotch noir. Maintenant, ben, il est mort, hein. C'est moche. Mais alors, le soir, c'est toute une histoire. Et quand on s'en va, parce que je suis obligée... Alors, je mets mon pouf de travail, c'est là où il y a mon tricot, il y a tout ça. Je mets mon pouf devant. La chaise sur laquelle je suis assise, je la mets devant. On a encore un pouf qui est derrière, là. Vous savez, les poufs poilus, là, qui étaient vendus à Action. Je le mets dans le fauteuil. Alors je suis obligée de faire ça tous les soirs ou à chaque fois qu'on s'en va dans la journée, parce que sinon il s'amuse à aller arracher le scotch qu'on a mis sur le fauteuil et aller rechercher, enlever la ouate que j'ai mise pour, dans le comment pour reboucher le trou qu'il m'a fait dans le fauteuil. Voilà, mais là bon, cette fois-ci j'ai cousu là. J'ai carrément cousu le fauteuil avec une grosse aiguille à cuir. Et j'ai mis la ouate, je l'ai cousu, on a remis le scotch. Mais bon, c'est quand même des fauteuils en cuir. Mais maintenant, bon, le fauteuil est mort. Voilà. Là, il sait qu'il a essayé de faire une bêtise, il est parti dans son panier. Il s'auto-punit maintenant quand il fait une bêtise. Quand il fait une bêtise, il va directement dans son panier. Il me regarde, il sait que je parle de lui. Ah là là, que voulez-vous, il est encore jeune. Hein. Mais bon, de toute façon, je vais pas le battre ni rien. Hein. Moi, les animaux, bon, il s'est fait disputer, ça c'est normal, hein. Un petit cri, mais c'est tout. C'est un petit poison. De toute façon, ici, hein, entre Pacha, Géry, Fifi, les oiseaux, les poissons, le mari, que voulez-vous? Bon, allez, je vous laisse. Ça y est, je vous ai déjà fait le bisou avant, mais je vous le refais. Dites-moi ce que vous pensez, hein, déjà de l'image du kit que j'ai choisi là, pour moi le faire. Et puis bah, dès que je peux, là je l'attaquerai, je ferai entre deux, un peu ce kit là et un peu celui là. Je ferai entre deux, en sachant qu'en haut j'ai encore. Bah, le kit que j'ai gagné au concours d'Alexandra à faire. Et il me reste un kit, mais un petit, que j'avais eu à une boutique aussi. C'est une tête de lion, mais là, c'est un petit. Et il faudra aussi que je le fasse un séjour. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous fais des grands bisous. Moi, maintenant, je vais aller faire dodo, parce qu'il est... Ah non, il n'est pas tard, il est que 22h. Donc je vais finir de regarder les bronzés à la télé. Allez, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt, bisous bisous.